Congolais panda, Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie pendant 40 minutes. Aujourd'hui, nous avons le privilège, Yaruya Mamosa Lianzambe, il s'appelle le pasteur Jétro. Ensemble avec lui, nous allons discuter sur la Pâque, sur l'évolution spirituelle de l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup de questions par rapport à l'émission Tosalaki Otoyambaki, pasteur Kass. Est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la Bible interdit à la femme de prêcher pour ou contre la polygamie aujourd'hui au sein de l'Église? Beaucoup de questions. Sur le plan spirituel, nakati Église, nakati marche Église. Donc tout n'est en serviteur dédié aux Tosané Lelo. Ce besoin d'un abyss au pays de Vanzela, réseaux sociaux, Congo Lipanda Ezali, Congo News Ezali, émission Pesole en Internet, Yango Anamena Kinshasa, tout diffusé dans la chaîne de télévision Wapicom et puis RTMV et pas Archibishop Coutinho Fernando. Wapicom et pas Boss Pichuanzila, émission Point de Vie Angoyo, émission Abino Peuple, émission en vérité, 40 minutes, Yambi, Pasteur Jétro, shalom. Shalom, bien-aimé Billy. Tout le plaisir est pour nous, Yaroya et Susulelo. Ouais. Il a changé vraiment cadre, Yaroya, Tokutana, par rapport à Makambo et telle spiritualité. Ouais. D'abord, bonne santé et puis santé Église. Non, santé ça très très bien, par la grâce de Dieu, Église Pekitoko, nous beaucoup de biso. Donc, continue Moussala. Depuis l'année Bandi, c'est ma première fois. Na passé na dans une émission donc yo tu bengaki le mois d'avril ouais donc par rapport à la recommandation ça m'a passé biso et allez que tout travail sur le plan interne trois premiers mois na yane oyo nous avons bien pris soin ya okokisa o nzamba lobaki maintenant que tout ça ba préparatif ya ma activité minene ne to lingi sikoyo sur recommandation toujours nzamba et toi paraître paix na grand public ba mona pe ba yoka ni nzamba chekati na biso. Vraiment, on va parler de ça. Pasteur Totiko célébrer et puis fêter la Pâque. Ouais. En résumé, et là, on y nous rôle, on va comprendre par rapport à la fête ou à la Pâque. D'abord, on a l'ingi très rapidement, on a balayé, erreurement, on va te balayer. On va te balayer, on va te Pâque, et ça, fête, il y a chrétien, t'es, il y a bon côté, et ça, ignorance. Pâque, et ça, fête, il y a juif. Dans la Bible, est bien. Pâque mutu institué ya ngweza Moïse na ancienne alliance. Donc Pâque ezagi nini ezali commémoration. To pe rappel ya mort ya agneau na Égypte. Donc agneau akufaka na Égypte, tant ba biminza ba bisi bango ke bobando célébrer yango chaque année. Donc Israël physique bazako célébrer mort ya agneau wana physique boye. Israël bazako célébrer mort à Jésus. L'ancien testament. L'ancienne alliance. Oui, l'ancienne alliance. Oui, bazako célébrer na bango mort ya agneau akufaka na Égypte. Oui. Malheureusement, Bible est telle ça dans le livre hébreu que en réalité agneau wana pesa ba on liberté. Parce que ceux qui agneau wana pesa ba on liberté, nzamba linga lo basu likambo liberté. C'est-à-dire agneau wana zaika ombre véritable agneau zaki de Jésus. Alors tant où Jésus-Christ a yé. Jésus avant koufa Yébé a célébré Pâques. Dernier Pâques, Jésus a célébré avec ses disciples. Kounande, Jida, Alia qui n'a ensemble, peu à quel côté. C'est-à-dire Pâques. Le rôle appelé Pentecôte, le rôle la prémisse. Ah, t'as fait ta Pentecôte, c'est la fête à Pentecôte. Et a fait ancienne alliance. Si vous avez fait Moukolo, il a fait ta Pentecôte, il a fait mon sang de Kitaï. Donc, n'est-ce pas que Pâques, au Batébé, il va célébrer. Il faut savoir quel Pâques vous célébrer. Alors, Jésus t'a envoyé, Jésus a koufi, a sécoui, par la révélation, nous avons compris que agneau a koufara en Égypte, pour Batouba biman en Égypte, en réalité, l'Égypte représente le monde, selon Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 3, l'Égypte représente le monde. Christ n'a pas agneau, selon Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a agneau, n'a koufaki, pour bisoto biman en monde. C'est que bisolelo,
ce qui tozo célébrer tozo kanisa liwa ya Yesu na résurrection Yesu tobimi na mbono. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin d'une date quelconque, nous n'avons plus besoin d'anniversaire quelconque, parce que chaque fois que to sangana to kanisa ka liwa pe lise kwa Yesu. Donc chaque culte pour na tina na bana ya nzambe ya pak, parce que to kanisa liwa pe lise kwa Yesu. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, Christ notre Pâque a été immolé, célébrons la fête. Donc il y a biso bana ya nzambe lelo eza sute ko zela mois d'avril te. Donc next to une église boyé qui est allé le Pâques. Chaque fois que tu es au parce que Pâques est un nid, lipa, na vino. Or, le pain aujourd'hui, ce sont les écritures. Le vin, c'est l'esprit, l'explication. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une écriture, une explication. C'est la Pâques. Donc, tu en as besoin de tous la compréhension, l'homme de Dieu. C'est comme si elle aurait vraiment mis toi. Oui, tu es bien, on a fait à Pâques. Tu as oui. Fait à Pâques, on va célébrer en avril. On a une ancienne alliance. Mais jusqu'au gros limbo, la nid, chrétien, on coûte un le lot. À comprendre, nini par rapport à Pâques. À comprendre que ceux qui. Au Tikali, on célébra la fête, il y a Pâques, il y a avril. C'est que, on célébra, on n'est pas Yuda, on célébra, on célébra, on va bicarter. Parce qu'on célébrera chaque année. L'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Si Yézoye, à côté, on va célébrer, on va bicarter. Jésus pas célébrera pas. Jésus pas célébrera parce que Jésus est né dans l'ancienne alliance. Il est né sous la loi. Donc, bon, t'as mis à Mobeko, mais il a mis fin à la loi. Donc, il y a Aza, Aurore. Vous voyez, Aurore, il y a fin à nuit, début à matin. Donc, tant que Jésus atteint un c'est que moi, je suis là, moi, lumière peut bandit. So, tant que le Saint-Esprit est là, lumière peut bandit à solo. Donc, bah, nous allons célébrer Pâques à la manière des Juifs. Salut les athées. Salut les athées, la commémoration à Pâques dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est chaque fois que tu es au Sangana. Il y a un peu de solo. Ce qui va être Sangani et que l'idée est athée, l'interprétation est athée, vie est athée. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui la Bible est bien interprétée, l'homme de Dieu? Non, mais la Bible est bien interprétée là où il y a le ministère de la parole. Et puis, aujourd'hui, les gens comprennent mal qu'est-ce qu'est le ministère. Les gens pensent qu'avoir une grosse voix, c'est ça être ministre. Je suis un homme de Dieu. Avoir un gros ventre, avoir des tubes. La voix qui peut perdre de quoi avoir des tubes, aux chrétiens, avoir de l'argent, avoir une chaîne de télévision, ils ont ma bête, ils ont bien. Mais ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est la capacité que le Seigneur donne à une personne d'expliquer les Écritures. C'est la voix de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, nous avons vu les candidats de roi Moïse, au commencement, Dieu créé le ciel et la terre. Mais quand il nous dit qu'au commencement, Dieu créé le ciel et la terre, nous sommes convaincus que Dieu avait créé le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que c'est un ministre qui a parlé. Donc, un ministre de Dieu, c'est lui qui vient avec la révélation de Dieu. Il vient avec la pensée de Dieu. Dieu dit dans son cœur, je ne détruirai pas le monde. Moïse Ayoki. Ayoki Ndeni. Parce que Dieu dit dans son cœur. A combien on dit dans son cœur. Donc un ministre, c'est lui qui sait écouter les noms dits de Dieu, expliquer même les mouvements, les gestes de Dieu. Jésus regarda derrière, ministre, il a compris, expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire, regarda derrière. Jésus sortit et dit, ministre, expliquer. Jésus monta dans la barque, ministre, expliquer. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de dire les courroies de ses chaussures. Ministre, de toute façon, dans la capacité, il y a autant à écriture, il y a autant d'explications. Il y a autant français, il y a autant d'écoute à tout le monde. Vous savez, Dieu, Jésus-Christ est puissant. Et bon, il y a une telle littérature. Mon nom est un telle littérature. Bon, moi, ils en ont les écritures et l'interprétation, l'explication véritable des écritures. Qui peut interpréter un ministre qui a reçu mandat? Comment reconnaître un ministre qui a reçu mandat s'il a la capacité de donner les écritures et l'explication véritable? Merci. Est-ce que le ministère est vendu? Ministère. Moi, beaucoup est ministère, le Zani. Le ministère, c'est la capacité, j'insiste. La capacité d'enseigner le ministère, ce n'est pas d'abord la capacité de faire les miracles, mais c'est la capacité d'expliquer, d'abord de maîtriser les Écritures et de les expliquer. Si mon rapport avec un pasteur et la Bible était, je suis un pasteur, mon appel mon tête, tout est abattu sur les lois. Pasteur, déjà, dans l'anda pasteur, nous sommes condamnés Salomon. Mais Salomon, Azaki Mabe, parce qu'il y a un peu de temps, ok, il un homme, une telle personne, il est moins maîtrisé Bible, il n'est pas un ministre. Le loso landi ba TV na biso mona. Tozo tinda siko moto tumba ba démon. Est-ce que démon droit mon limo moto ni nango ezikisaye. Donc les gens ne maîtrisent pas la parole, les gens ne connaissent pas la parole, ils ne sont pas des ministres. Donc ce sont des courageux qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu pour faire ceci, cela, mais ne sont pas des ministres. Donc un ministre de Dieu, c'est celui qui est préparé. En gros, il faut la préparer. Au cause d'un appel, mais préparation, c'est le ressource. Donc il y a une différence entre l'appel et puis préparation. C'est deux choses différentes. Comment reconnaître que ce qu'on a un appel, tu as un préparé? Moutou a un appel, tu as 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 un appel, tu
nzambata bengio il faut tindo na formation tindo na préparation mutu roi Paul nzamba benga yakuta na nzamba na chemin à Damas mais nzamba tindé pas na Nias pour être préparé et ça na kati ya préparation de mutu oyeba qu'est-ce que l'écriture qu'est-ce que l'explication de l'écriture mutu na ba base nga yora soni mon pasteur a été à 1000 membres, 2000 membres. Mais Mambolo, Banatala, pasteur Moussousou, a été à la confusion entre la fin du monde et l'enlèvement. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, nous avons des conséquences, il y a manque de ministère. Donc, mon toi, il est français, il pense qu'il parle français, c'est ça le ciel. Nous avons pas français, nous n'avons pas anglophone. Nous avons pas de l'exemple, connaître, maîtriser la chose de Dieu. C'est pourquoi, nous avons une école, le ministère, tu organiseras des temps. Pour nous former. Ah ouais, ouais. Donc nous ne sommes pas extra, mais la grâce que le Seigneur nous a faite, organiser ben, le ministère, la conférence, ben, ça l'enzyme Bayaka, et ben, recevoir ben, bagage et permettre ben, ben, au travail, ben, c'est l'enzyme, ben, 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 Afrique du Sud, ben, 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 c'est-à-dire que nous sommes libéndés, 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 nous sommes libéndés. Très bien. Parlons un peu des jugements, parce que nous sommes par rapport à jugement. Hein. Comment l'Église sera jugée? Et puis, quels sont les signes qui nous montrent aujourd'hui que l'enlèvement est au salam au sein de l'Église? 1 Corinthiens chapitre 6, Bible de que ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? L'Église jugera des anges. Écriture, on est à moi, l'Iboma. Néni l'église et jugé par ange. J'insiste que les anges que l'église va juger, ce sont les anges déchus. L'église est jugée. Mais un Pierre Bible dit que pour vous, le jugement commence dans la maison. L'église, nous sommes passés de la mort à la vie. Non, parce que le mot mouké, révélation mot mouké. Jésus a l'obi, ce qui n'a libaya ya moube, ce basal n'a boué. Bon, on a dit au kaouka. On a dit au moto. C'est que ça prie pour que la moto parce qu'il y a un déconne. Donc Jésus n'a pas dit que c'est que ça prie pour que la moto parce qu'il y a un déconne. Mais il y a un déconne qui a été fait pour que la moto soit un jugement. Mais Jésus a dit un jugement. C'est la croix de Golgotha. C'était tout un jugement. Pour Bissot, c'est là qu'il dessine un jugement. Tout ça, c'est un jugement. Donc l'Église, nous sommes passés de la mort à la vie. Le fait que nous avons cru à la parole, le fait que nous avons reçu la sainte doctrine, c'est déjà une grâce que le Seigneur nous a faite. C'est pourquoi l'Église a solo. Bâtir la vérité. C'est-à-dire que tu as boy. Oh, mouto à la taramabe, il faut pas battre bongisse ao. Donc, jugement, c'est dans l'église de l'eau. Pour quand le trône blanc, le trône du jugement viendra, nous ne serons plus jugés. Dans l'Iba, nous ne pas comprendre bien. C'est-à-dire que, bisous, l'Iba, tu as condamnation, tu as jugement, tu as saleté, tu as saleté, tu as saleté. Aujourd'hui, le jugement commence dans la maison. La Bible dit ça. C'est-à-dire, mouto soka yé l'église, il faut battre l'Isaïe mabe naïe. Pour changer parce que ba membre de l'église ba le cas un jugement donc bisoto que mba mo enlèvement règne millénaire éternité. Est-ce qu'une personne au accouffissant pour autant pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant le jugement il sera aussi enlevé? Non, il sera pas enlevé. Ba to ba recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils seront ressuscités lors il y a jugement dernier. Ba on sait quoi pour le jugement et pour ba kendena enfer aux ali seconde mort. Mais bah, on va recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, bah, tant que nous l'avons dit, pour l'enlèvement. Quelle église sera enlevée? L'église qui croit à l'enseignement de Jésus-Christ, bah, tout ça, bah, église, mais tout le monde, pourquoi que nous sommes là à habiter? Nous insistons sur la connaissance de la parole. Et ça, bah, nous sommes là qui sont dans le désert, nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert, nous sommes dans le désert. Donc, nous sommes dans le désert, c'est un miracle. Comme on a le beau kwanzam, comme on a boulam kwanzam, mais l'ingo le bâti que okota lola. Donc okota lola les hommes sous naninda okota lola. C'est lui qui connaît la loi et qui respecte la loi. Donc première chose, bah tu fais basan la connaissance. Il y a Bible, il y a Matéa, et puis bah basan la capacité à mettre en pratique. Alors Moïse avait une doctrine. Le Seigneur Jésus quand il est venu, il a donné aussi une doctrine. Et la doctrine de Christ a été perpétrée par ses apôtres. Nani akota leza oiseau sala l'enseignement des apôtres. Tambola lelo na tous ceux qui se disent église, ils font ce qu'ils veulent. Mon amda ki pasteur a osa oa lingi. Église na e, a osa anda lingi. So akoti batandele maputa. Ba tindi nzembu ba yembeli nzembu. Kilt de célébrité. So ba ndote a ote a mambo ya lingi. A vérifie même pas que mambo na ote za conforme na bilopo etali ete. Il fait des choses comme il veut. A groupe qui ta mort. Il peut faire tous les miracles qu'il veut. Isaïe, l'Isanga Bongo,
lola yate lola ezapo na bato ba yebi liteya oza na bible pe bazo marcher sur la blessure. Pourquoi nous disons toujours mon dimioke église pasteur mta kufela ote dit que quand il prêche linga mambo azo te ezala pe na bible explication ezala pe correcte. Soyou mouta un pasteur a quatre femmes, cinq femmes comme l'autre là. Il vient, il vous dit quatre femmes, cinq femmes, il vous ment que je suis mais comme Dieu est polygame. Dieu est polygame. Dieu est polygame, l'église aussi est polygame. Massonge. Massonge. La reine, mon mouta est prophétie à comprendre. Zambala ici, Jean, Apocalypse 21-22. Les Jérusalem est au Kita. Comme une épouse. Voilà la reine. Jérusalem est au Kita. Comme une seule des épouses, une seule épouse. Épouse à Nan, il y a agneau. Si vous Jérusalem, mon ababi, ba porte nango, ils ont un combo, il y a 12 tribus à Israël, ba fondement nango, ils ont un combo à 12 tribus de l'agneau. Donc, 12 tribus à Israël, na 12 disciples, tous 12 apôtres de l'agneau, ba former comme d'épouses, une seule épouse. Ça, c'est une polygamité. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus. Si on t'a dit ça, ma polygame a aussi. Et on a le bac, ba menteur, ba ebele lelo. Au moins, on a le bac français qui tombe comme un menteur. C'est-à-dire que mon est diplômé en théologie. Donc la polygamie, c'est un péché. C'est un mensonge. Si on t'a dit que nous avons un polygame a aussi. Parce que nous qui sommes. Mais confirmez-nous. Confirmez-nous. Sur le on a la question à Bible. Oui. 12 apôtres de l'agneau, dans 12 tribus d'Israël, va former caca. Une seule épouse. Apocalypse 21, Apocalypse 22. C'est ok. Salomon avait combien de femmes? 1000 femmes. Bible dit 1000 ans égale un jour. Je crois que oui, bien autant la Bible. 1000 ans. Donc, 1000 ans à Salomon, ils ont dit ça un jour. Ok. Abraham avait deux femmes. Vous savez, le roi Abraham a deux femmes. Rappelez-nous, il a deux femmes. D'abord, menteur. Abraham n'avait pas deux femmes. Abraham avait une seule femme, c'est Sarah. Agar était la concubine d'Abraham qui était plus tard chassée. Je mets quiconque à défaire la sangue, c'est qu'Abraham a balaki, Agar, Abraham a balaki, Agar. Agar, c'est qui servante d'Abraham, parce que dans la culture occidentale, la femme ne partait pas en mariage seule, la femme partait en mariage avec des serviteurs. Jacob, oh Jacob, dans Osée chapitre 2, Israël combattit pour une femme. Jacob a kenda pour n'a la Rachel. Tatanda Zuil est apprécié, mais Jacob était parti pour se marier à Rachel. Donc, dans la Bible, Marambo Balobarawana est un mensonge. Il y a ce qu'on a Nouvelle Alliance chez les apôtres. La Bible montre qu'un évêque doit être, 1 Timothée chapitre 5, un évêque doit être marié d'une seule femme. C'est écrit noir sur blanc. On a monté un bien en pasteur, il y a 5 femmes, alors ça a publié dans la TV, c'est un menteur. C'est-à-dire que de telles personnes ne verront pas le Seigneur. Ils ne pourront jamais conduire aussi les peuples de Dieu en l'enlèvement. C'est pourquoi nous nous interpellons les enfants de Dieu. Sali, basakana nangote. Am basakana nangote. Oko bung sambong le loro zoa. Oko bung sanda le loro somba. Mais am na yo soke bungi. Ozong sali soute. C'est-à-dire que nous sommes appelés à faire attention. Na bile ni ni te olia. Parce que bile yo tozo lia ndeko définir notre éternité. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? L'éternité ni nous oyok. Et ça conforme na bile. La blague était. Fanatisme pe lobino et lorote. C'est-à-dire que moutou foye ba mamba zolanda. Et à solo tu es à solo. Merci l'homme de Dieu. Par rapport à l'avenir, il y a beaucoup d'habits sur la République démocratique du Congo, sur le plan prophétique. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a un prophète au Azoya sur le plan spirituel pour la libération en Bokao? D'abord, j'aimerais demander à tous les enfants de Dieu et à tous les Congolais, mes frères, mes amis Congolais, pas comprendre le fonctionnement en Zambie par rapport à la nation. Dieu fonctionne comment par rapport voilà. À la nation? Voilà. Dieu avait choisi une seule nation. Dieu, dans son appréciance, avait choisi une seule nation. Nous avons dit ça avec Adam. Dans le cas d'Adam, il y a une nation qui se bima. Dans la tour de Babel, il y a une langue qui se bima. Mais nous avons dit que la nation qui a une langue, il y a une Genèse 12, il y a une Abraham. Sur le temps, il y a une Abraham. Quand nous avons Abraham, nous avons Abraham, Abraham a dit Isaac, Isaac a dit Jacob. Jacob a changé comme comme Israël. A Zuyé, il y a une nation Israël, des acquis nation en Zambie. Alors, sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il a formé un deuxième peuple de Dieu. Ce deuxième peuple s'appelle l'Église. Église, c'est un rassemblement, il y a plusieurs nations. C'est ça les deux peuples de Dieu. Israël, dans l'Église. Israël, physique, il y a une première nation en Zambie. Dans l'Église, il y a un peuple physique, il y a un rassemblement à plusieurs nations. Donc, si on a quatre églises, on est Congolais et Bazali. Donc, Mboka Congo, Liboso Nzambeza, nation.
Donc, tout ça, Israël, tout ça, l'Église, tout ça, l'ensemble des nations. L'ensemble des nations, on débarque ça la guerre contre l'agneau. Parce que la guerre d'Armageddon sera la guerre de l'agneau contre toutes les nations de la terre, y compris le Congo. Le Congo est une nation païenne. Le Congo est une nation qui a donc, il y a un monde qui est en train de se dire, la loi est en train de reconnaître les gens. Au pays de ma bête. Pour la bise, chrétiens à ma bête. Donc, pour la démocratie, parce que la Bible, la démocratie est arrêtée. Alors, la Bible est contre la démocratie. La Bible est contre la démocratie. Nous sommes à la démocratie. Alors, lorsqu'il nous permet, il y a un opponent de la Mabé, ce n'est pas la démocratie. Ce que vous pouvez dire, nous sommes à sanctionner. Soit vous avez dit démocrate, vous avez dit que 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 vous avez dit. C'est-à-dire, pour le Congo, je demande aux chrétiens qui sont au Congo, battre l'ensemble. Parce que le Congo est bon, le Congo est bon, il y a un Congo qui a été monde entier. Il y a un monde qui est en Obeba. Et ça, le Congo, même aux États-Unis, il y a des problèmes. Même en France, il y a des problèmes. C'est que la situation, il y a Mokili. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de parler du Congo. La situation, Mokili est bon, il y a un Moutou, a un Zouaka, Kimiate. L'homme ne sera jamais satisfait. Aussi longtemps que tu as un maïna, tu as la cause à la satisfaite. A ta bozui, pape à Rome, a commis président Congo, qu'on est les Akak. Mitungi c'est Zaka. Et Zaka n'a pas chômeur, il n'y a pas de chômeur. Bon, on a été dit, chômeur, il n'y a pas de chômeur. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu as un belé, il y a une insatisfaction. Mais il y a un zambé, il y a un zambé, il y a un zambé, il y a un pouvoir pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, nous allons hériter le royaume. C'est là où nous aurons notre paix, notre joie parfaite. Le mamba politique, et ça, la manango, c'est bien, mais en tout cas, l'olimisanga, nandimarate, qui y a un moutou moko à bon samboko. Même au sein de l'église. Kuna koutoune pire. Je vais donner un exemple. Quel est le membre de l'église, le prince de l'église, qui a réussi une activité ou un pouvoir ou a dirigé une institution dans cette église? Je commence par notre papa, le vieux Mosengo. Il a été président de la conférence nationale souveraine. Et Simbate, Simbate. Et Simbate. Abe Ngoye Malumalu. Il a été président de la CENI. Et Simbate, Simbate. Et Simbate. Grand frère vient Nangaï, mon papa, que j'aime beaucoup, Ngoye Mulunda. Il a été président de la commission électorale nationale indépendante. Et Simbate, Simbate. Et Simbate. Mon vieux que j'aime beaucoup, l'évangéliste qui examine Kibila. Il a été député national pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il a produit? L'opprobre, la honte. C'est-à-dire que quand il est ministre, il prêche, c'est très bien. Mais quand il va dans la politique, zéro échec. Nani sous ba o nyoso ba kota politique. Na komboa Yesu ba échoua. Dites-moi, Yesu a échoua. So bazoko échoué, zo la c'est que Yesu on dit ma mambo anate. Le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Le Seigneur l'avait dit devant Pilate. Ba yo kanga Jésus na ba soda, papa. Jésus est capable de commander l'armée céleste, il y a bête ba soda na zo ba konja ba Romain. Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde. C'est que si qui moi en Zambie, à la politique, à la a un travail. À que ça combo en Zambie, que na comme président pour changer beaucoup parce que Joseph, les gens ne comprennent pas fonctionnement. Il y a Bible, na mambo mokili. Joseph a kenda pour accomplir un dessein de Dieu. Donc je demande aux chrétiens qui sont au Congo d'espérer en Dieu. Mutu morote, au moins il va devoir compter si tu sais qu'il y a. Et puis il va devoir compter si tu sais qu'il y a de l'oisette. Il y a les autres qui comptent sur Gizenga. Donc, ce botaïli moutou, moutou mokote, d'ailleurs, malheureusement, appelle l'élo, botaïli pour position, mon ami, qui est mokote. Donc, moutou mokote a changé mokilioyo. Bisso, totel, nzambe. C'est le Seigneur qui va pouvoir pour nous. Torozala, n'a bisso qu'à satisfaire, mais le Seigneur va pouvoir pour nous jusqu'à ce que le royaume vienne. D'ailleurs, on trouve bien à Bananzam. Totchaïli Kananzam, Totchaïli Kananzam, le Seigneur va donner la paix, la guérison, la joie, et le ciel est pour nous. Très bien. 089. 00-60-149, c'est notre numéro. 089-00-60, c'est notre numéro. 089-00-60-149, c'est notre numéro. Aux Alibans d'Amboka, aux en Australie, aux en Belgique, aux en Londres, aux en Suisse, aux Betty, plus de 143-89-00-60-149. À la fin de l'émission, Moussa Lianzamba a opé sa numéro naïe. Et tu relèves la macambo et tu as les livres, on a l'activité à l'église. Tu as un bimosal en Zambé. Il s'appelle le pasteur Jétro. Naïe, tu as la macambo, tu as l'église Lélo. Montréal, tu as combien de minutes, tu as 12 ans? 10 et tu ah, ma question est à moi, Bélé. Moussal en Zambé. La vraie mission de l'église, la mission principale et le rôle de l'église.
Église, Azana, mission principalement, quoi. Préparer les âmes pour l'accès au royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ viendra régner pendant 1000 ans sur cette terre et après nous allons rentrer à l'éternité. En réalité, à cause du péché. Rôle de l'église à retrouver. Au moment où il y a Genèse chapitre 3, quand Adam a péché, vers le soir, la voix de Dieu parcourait les jardins, disait Adam, Adam, où es-tu? C'est ça la mission de l'église. L'homme est perdu. Moutazo vivre une vie à désordre de l'or l'andangai. Azatam suna magie, atambolaramabe, kinumba, mobulu, loenge, milangwa, ou te panzambe. Moussa l'église, eza, la voix qui parcourt les jardins, qui te cherche, parce que nous sommes au temps du soir. Et bien, soir, ezatang moi, ezolal. Véritable soleil, ça rendait Jésus. Quand Jésus a botté dans Luc chapitre 1, bah, le soleil nous a visité. Donc c'est que Kokoufa Jésus, c'était le soleil qui dormait. C'est que c'est le temps du soir, la voix est en train de parcourir le monde pour chercher l'homme qui a péché à Zonga na l'église. À Zonga na makolo ya nzambe. C'est ça la mission de l'église. Maintenant, quand l'homme rentre, d'abord, il vient s'asseoir au pied pour écouter la parole. C'est pourquoi Moutoua est qu'on s'asseoir au pied pour écouter la parole. L'église, il faut appeler ça et appeler l'IPA. Au moins, Jésus, tant qu'on va faire un sabbat, c'est pourquoi, quand l'homme vient, il écoute la parole, il a aussi besoin de la guérison de la chair, il a aussi besoin de la bénédiction matérielle. C'est pourquoi l'église, en plus, il y a quoi enseigner, le Seigneur a donné des dons. Ce Moutoua est là, il y a un don de la guérison. Ce Moutoua a un problème, il y a un don de puissance, tout ça, pour nous s'occuper de Batou. Plus loin, l'église doit aussi même s'organiser. L'église primitive, pour nous soutenir la veuve. C'est aussi parmi les missions que l'Église doit accomplir. Mais n'oubliez pas la mission principale, c'est rappeler l'homme. Donc, ce moutoyé, n'est-ce que l'Église a besoin de prendre soin de notre domaine jusqu'à l'enlèvement. Voilà, la moukousse. Le moment où ça a succès dans quatre églises, le surnaturel, est-ce que c'est différent de la spiritualité? Bon, c'est le miracle, c'est bien. Dans l'église, on a besoin du miracle parce que l'Église est banane à miracle. Et vous n'avez pas enlevé par miracle. Christ a beau temps un miracle. Coco l'année miracle, Vinezagi miracle. Donc, hey, non, par rapport à ma miracle de San Maléon dans quatre églises. Sur l'église des réveils. Qui suis-je pour juger les autres? Je ne peux pas juger les autres. Mais dans le Sénat, tout le monde s'est amené sur la Bible. Les miracles, c'est bien, mais le miracle accompagne la parole. Parce que Apocalypse chapitre 13, les diables a repé ça, na les dragons le pouvoir d'opérer les miracles. Les faux prophètes aura aussi le pouvoir d'opérer les miracles. C'est que le miracle, c'est où tu n'as pas embêté. Donc, le miracle n'est pas que ça bisoté et l'eau qui est interpellée, c'est la parole. Donc, Moutoua Zoté a la parole, sauf qu'à ça, le miracle, nous croyons que ce miracle vient de Dieu. Mais Moutoua Zan a la parole, t'es à ça, le miracle, c'est la magie, c'est simple. Merci. L'homme de Dieu, tout le monde, il va lire les Oui, le livre scellé d'Apocalypse. Ouais. Résumé. Livre Apocalypse, oui, ensemble, les téléspectateurs, c'est un livre difficile à comprendre, difficile à saisir, parce que c'est une prophétie. Et c'est un livre qui résume toute la Bible. Le Seigneur nous a fait grâce, il y a qu'on comprend, il y a qu'on maîtrise, mais là, je suis en quatre. Donc, nous avons été au bon moment pour nous avions écrit depuis l'année passée, au publié qui, livre intitulé Les livres scellés d'Apocalypse. Et, toujours annoncé, il y a publication, il y a version anglaise. Donc, il y a la française en anglais. Oui, toujours, si il y a publié officiellement dans le mois de juillet. Donc, il y a déjà disponible. Il y a été comme un Kinespress, l'édition Kinespress, Seigneur, ce n'est pas Papa Antoine Katoto. Livre en abîme, ou soit vous passez chez nous à l'église, dans la province numéro 45, de Zawana. Alors, nous avons besoin de salibis au grâce déjà, le 1er mai, nous avons un grand séminaire et pas en abîme, à tout le séminaire, nous avons un quand nous enseignons. C'est-à-dire que toi, on a un séminaire sur. Il y a tout le monde dans la caméra. En tout cas, ici, c'est la science des dieux. Parce que l'évangile traite toutes les sciences du monde. Histoire comme ça, ça fait peur aux gens, pasteur. L'évangile est terre droit, est terre économie, est terre médecine. C'est que moi, ça, nous sommes terre, après, ça même stratégie, dans ma chef militaire. Pour nous, on a terre, on a même général. Parce que ça, on a ma terre, même aux stratégies, même il y a ma guerre. Même ma politicien, il y a pas besoin de maïle, il y a ma commerçant, il y a pas. C'est que l'évangile traite de tout. Et l'évangile, c'est que vous ne pouvez pas avoir 100 dollars, 200 dollars, pour voyager. Vous voyagez, vous voyagez, vous voyagez, vous voyagez. Ce sont comment dirais-je, des matières archaïques. Et nous traitons la science de Dieu, la solution de tous les problèmes des hommes, l'évangile de Christ. Au commencement, était à parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est par la parole que toutes choses ont été créées. C'est que ce sont les réalités. Donc, le premier mai, tu as une activité, tu as une activité. Sur les 7 lettres adressées aux églises, je vais expliquer. Une lettre, c'est une correspondance adressée à une personne. Pasteur, quand ça a été à 7 sceaux,
Ah, tu es à polygamie, il y a une cette lettre, au boy polygamie. Non, bon, je n'ai pas de concurrence à faire avec lui. C'est un aîné, Narati Mambouanzambe, qui a beaucoup d'erreurs et qui est ensemble, il a toujours Nzamba Sungaye. Parce qu'on a fait beaucoup de débats avec lui. Ici, nous avons parlé sur les 7 sauts. Il avait vu ça. Qu'est-ce que les 7 sauts. Donc, nous avons parlé ici et puis nous allons parler sur les 7 lettres adressées aux églises. Pourquoi seulement 7? Pourquoi seulement 7 sauts? Pourquoi seulement 7 églises d'Asie? Alors qu'il y a plusieurs églises. Et nous allons expliquer, Mamba, 7 anges de l'église. Tu peux expliquer? Parce qu'il va tout seul, Ange Moussou, c'est Abraham, Ange Moussou, c'est Luther King, Ange Moussou, c'est nous allons expliquer, Ange Moussou, c'est Paul, nous allons expliquer qui sont réellement ces anges-là. Et quand on dit sept églises, on n'a pas dit sept âges de l'église, mais on a dit seulement sept églises, parce que toutes les églises vivent dans un seul âge, dans une seule époque, une année de la grâce. Nous allons expliquer une lettre adressée à une personne, une correspondance privée. C'est que Moutoua, au fond, c'est que Moutoua, comprendre, c'est que destinataire. Et quel est le destinataire de ces lettres? C'est l'Église. Pourquoi c'est? Nous avons expliqué chaque ange. D'abord, comment Christ est présent dans chaque Église? Alors, il s'est présenté de manière différente. Récompense à chaque Église, réponse à chaque Église. Dans les premières mains, c'est les 6 mains. Donc, tu as bien un ensemble et nous en avons pourquoi? De 16h à 19h juste, et puis dimanche, 8h30 à 11h30. Nous invitons le peuple de Dieu. Viens en agnosso. Enseignant, grand prêtre. Donc même les hommes dédiés, ils sont invités. Oui, parce que le faire aiguise le faire. Donc nous avons besoin de ça, mais soit une révélation. Les arabes ont un petit peuple qui sont au Kambate, c'est pour l'église corps. Mais comment est-ce que les autres vont écouter un attendé dans l'église? Le ministre, avec la grâce au Banango, on peut développer d'une manière ou d'une autre pour que l'église soit édifiée. Donc on a bien un mingi bazara qui est au une invitation. Je ne saurais pas. Lélo, comment on a mingi mingi invitation. Je ne saurais pas me déplacer pour nous. L'invitation. C'est pourquoi nous faisons des émissions. Donc, au Landanga, on a les gens qui ont signé. Oui, on a les gens qui ont signé. C'est-à-dire que nous avons la grâce d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous appelle, je vous invite, j'invite tous les peuples de Dieu. Il y a 14 ans, la prévoyance numéro 45, quartier Kaouka. La commune à Kalamo, la place au Bungate. Un numéro de contact 09 98 40 52 62. 09 98 40 52 62. Pas tout bas malade, pas de problème, pas dérangé. Ah, lui, il y a une révélation, pas révélation. Non, la parole, ils ont la capacité. Ils ont le coup de l'Ubanzam Nangouyate. Aux gens malades, aux gens problèmes, yaka. Pendant une semaine, la puissance de Dieu sera. Je vous assure, aux gens en doyagité. À part, on a un programme chaque jeudi de 12h à 18h. Tout ça, mais la réponse à Bakano, c'est là à 12h à 18h. On va prier. Donc, tout ça, mais abondamment, et le Seigneur agit. Nous sommes bien appelés ensemble. Donc, nous sommes là, nous appelons tout le monde pour participer à Milouloua. Merci, pasteur. Tout comme Nassouka par rapport à l'émission Allélo, invité principal, Allélo, Zagi, pasteur Jétro, Naye, Tosoli, Makambo, Italie, Église, et puis. Spiritualité, allez-le dans quatre églises de réveil. J'espère que ça a été clair dans ma question. Ce qui est dérangé, les espaces commerciaux, oye, au Bengibiso, tu as contact, au répondre sur le plan biblique, au PSAP ma comique. Débat contradictoire, prêt? Ouais, ça a débat, on a un débat. Ils ont un évangile, aucun évangile, ils ont été c'est les serpents de Moïse qui avalent tous les serpents. Donc nous n'avons pas de problème. Celui qui a. Monique et Mambo Tolobi, qui est là, il peut venir, on échange. Match amical, c'est mon problème. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez vraiment aimé l'émission, il faut dire merci à notre boss Pichu Wanzila. L'invité principal, c'était le pasteur Jétro. Restez scotché, Simon. Et nous remercions le boss Pichu Wanzila. Nous remercions le coordonnateur Papingina Mahou. Nous remercions le directeur des programmes Trésor Yala, ceux qui m'écandent à Topessio Mbote, réalisateur du Saint-Esprit. L'homme dédié, un mot par rapport à l'église à Congo. Topessio Gad, 5 secondes. Et là, on est aux Oboya, et là, on est à l'église à Congo. Et là, on est aux Ndima. Bino ba homme de Dieu ba sacrificateur pour ça l'ango bien pour que nous soyons libres. D'abord nous encourager ba tout ba linga nzambe ba sel nzambe mais hypocrisie apparence ba ba la sacrifice. Mon monde aux en église à 1000 membres mais na quatre na ba ndimbara 5. C'est-à-dire congolais asa hypocrite, congolais aventurier dans le domaine de tout. Donc mon monde a ebi na ebi bible été mais tu as la combo mon révérend bishop maréchal général tout. Mais il y a ebi l'autre. Donc,
tous ces gars na batu ba vanda na makumi ba vanda ba écriture ba batika parce que le ciel et anda kwa mutu te le ciel et anda kwa nzambe muto okota ngoka muto asimbi lo ba nzambe ba principe nzambe donc toujours exhorter le membre de l'église to va na ta parole nengi vient na biso za lo ba kala avec mukuna retour à la parole to va na parole c'est la parole parole elle ko na biso nyoso avant le pasteur nous sommes minen otobi na mboko parole elle ko na bango donc muto za likola parole azate et muto ko sala divorce nda lingia bali nda lingia senda linga azate donc biso nyoso to vanda na katia parole tout ça là, oh, parole et lobby, c'est alors que nous verrons Dieu. Mais si tout c'est la influence, tout c'est la mort, tout c'est la richesse, nous ne verrons pas Dieu. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Ciao. Congo les panda. Oh, Congo les panda. Congo les panda. Ah. Congo les panda. Si tu es pas là, Mouka Congo. Chuki azili kanisi ya malamu puna kosepelisa banambuka Congo Congo lipanda asalili bango Congo lipanda peningali puna kuyeba historia Congo landa Congo lipanda.